Kola min o ngia pompi ja min did non ka to min buti diesel min gara mi di ta min buti min gara ko min ko ta don ha sani min ge sese ina fi lo bi de chutu ko te ngaro maram lo to ko mi ya le ko san walti gila ma don ka robin min ke bi don ka wet fu mi lo to ko mi ya le ko fa don ka robin fa le ko la min udda don ka wet fu maram e joga wala wala na wodi hande le banger wodunde pompiji nay joy amma dum fu hejata ndiyam heta bibbe adama en ndiyam heta dabba en joni ya dum latani min sadda sanne rafi ndiyam dam sabu de wadi fayto déplacer en enen biata pdi en be e kambe tawabe ben wadi fa lati jonka to portal wadata do mabbe do pompi de la région du Sahel, on a un taux d'accès à l'eau potable qui est autour de 63,4%. Mais il faut dire que derrière ce taux cache des disparités en fonction des localités. Avec les déplacés internes qui quittent les zones d'insécure vers les zones plus sécures, qui sont les grands centres, nous sentons une pression autour de la ressource en eau, surtout actuellement avec le contexte du changement climatique. Masila mingui mingal no seba jon sada idinga di men do ro den ayika illa mingal no ka ndi an so min da yusufa ka fuse salifa ko mingal ta de illa pompi wa wadda hande o ka hoya ni men so gonga alla Dans un contexte de rareté de l'eau, comme le Sahel et notamment la commune urbaine de Dori, qui a malheureusement vu sa population doubler suite donc à la crise humanitaire et sécuritaire au Burkina Faso, les systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés deviennent les infrastructures essentielles pour l'approvisionnement des populations. Le matin, il faut le soir qu'on part à la maison. Maintenant, on a de l'eau. On peut laver les plats, nous laver, préparer, faire tout.